Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 11 juin 2015. Les marchés sont moins beaux qu'ils étaient. Ce matin, ça montait, mais là, c'est rendu nul totalement là, du côté du marché de Nasdaq. Là, comme vous voyez, on est sur un point important là, qu'on pourrait inverser la hausse d'hier. Sur le Dow Jones, en revenant comme ça, on est sur le bord quand même d'inverser cette tendance-là. Sur le TSX, ça a chuté parce que c'est les ressources qui ont décroché. Puis c'est pas vraiment très joli, là. Je me demande jusqu'où on est capable de... jusqu'où ça va s'arrêter, cette affaire-là. Parce que, regardez les trois sommets qu'on a ici sur le gaz qui repartit à la baisse. Le pétrole était en baisse en préséance. À l'ouverture qui est ici, on a c'était sur le point zéro, mais c'est revenu à la même place. Donc, c'est pas très, très solide pour le moment, là, du côté des ressources. On va analyser ça dans 2-3 minutes. La production industrielle est en hausse en Chine, puis ils disent encore qu'il y a des pourparlers avec la Grèce, là, puis ils ont confiance, puis c'est ça qui a fait monter le marché européen. Donc... le dollar américain rebondit, c'est tout décousu, hein, le dollar américain, là, ça plante, ça remonte, ça descend, ça remonte, mais on est toujours dans une tendance baissière quand même. Donc, le Nikkei a rebondi super fort parce que le yen a redescendu. La bourse de Hang Seng a entrepris un petit rebond, mais toujours à l'intérieur de son cycle baissier. Londres rebondissait jusqu'ici, là, ce matin, puis regardez, on est rendu au point zéro. Donc, j'ai comme une impression que c'est déjà fini, ce rebond-là. Là. Du côté du SP500, malgré ce rebond-là, à partir du support, en revenant à la baisse ici, là, on demeure quand même dans un couloir négatif. Du coup, donc, on pourrait déjà avoir atteint ce sommet-là. Quand on regarde Nasdaq, regardons ça ici en 30 minutes sur une plus longue période.
Et regardez, on est revenu à la même place là, qu'on a passé tant de temps là, depuis le 18 mai. Et puis, ça refuse de passer cette fois-là. Donc, les chances de revenir par là sont quand même... Les probabilités sont quand même assez fortes. Du côté du Dow Jones, le fait que si ça ne va plus par là, on revient par là, ça va encore une fois redonner une tendance baissière. Et sur le TSX, ben c'est déjà confirmé là, le retour en tendance baissière. Donc, on aurait eu deux jours de cycle haussier et là, on est reparti de l'autre côté. Ici, sur le marché américain, ils disent qu'en raison d'un ralentissement dans les marchés émergents et d'un ralentissement aux États-Unis, tu sais, une journée, ils disent que ça va bien, l'autre journée, ils disent que ça ne va plus. La Banque mondiale abaisse sa prévision de croissance à 0,2 à 2,8. Il prévoyait 3,3. C'est-à-dire pour 2015 et 3,3 pour 2016. Lululemon va vendre 20 millions d'actions. Donc, ça fait redescendre le titre. Nike ont signé une entente de 8 ans avec la NBA. À partir de 2017, les termes n'ont pas été divulgués, mais ça doit être un gros montant. BRP est volatile tout d'un coup, mais toujours au-dessus de sa résistance. Et puis, c'est que leurs résultats financiers ont montré 31 cents au lieu de 17. Enghouse, 49 au lieu de 31, mais le titre est en baisse, donc pas très logique. Dominion Diamond aussi, vous voyez qu'est-ce qui se passe, là? Il y a eu des pelures de bananes ce matin. Enghouse, Dominion Diamond, qui avait chuté sur son support avant de remonter. Et Comdev, lui, au contraire, qui attendait plus 5 cents, il y a eu... moins 5 cents, mais le titre est en feu depuis 3 jours. Donc ça l'a calmé un peu. Donc ça, c'est l'heure de prendre un profit sur ce titre-là. Oh oui, c'est vrai, il y a aussi quelques news. Poet Technology a annoncé la nomination d'un nouveau PDG. Qui débute ses fonctions maintenant. Donc c'est quand même... Un titre très volatile, puis de temps en temps, il fait des volumes aussi. Donc, la tendance à long terme est haussière. La tendance baissière à long terme, moyen terme est haussière. Baissière à moyen est inversée. Puis regardez cette zone-là. Des fois, il faut faire abstraction de certaines affaires, OK? Expérience dite, là, garde. Si on enlève ce mouvement-là et qu'on garde ça plus ici... Vous voyez comment il y a une zone importante ici, là? Donc, tout élan à la hausse ici, là, avec un bon volume, représenterait un bon point d'entrée technique sur ce titre-là. Trinidad Drilling et Candlestick ont conclu un accord pour combiner leurs flottes de forage en Amérique du Nord et profiter des perspectives de croissance à l'échelle internationale. Mais ça fait chuter Trinidad, puis ça fait monter beaucoup Canelson. Ça a l'air que c'est lui qui va en profiter. Abitibi Royalties, c'est une plateforme qui invite les entreprises avec des faibles flux de trésorerie de soumettre leurs données de projet. Donc, si Abitibi aime les données, ils vont couvrir les coûts des frais de sinistre et de taxes sur les projets en retour de redevances. Bizarre, mais c'est un bizarre de graphique aussi. Il n'y a pas de volume, mais c'est pas actif. 480 actions transigées là-dessus aujourd'hui. Ener Plus montait, là, monte plus parce que les ressources ont de la misère, là. Le mouvement, il s'est complètement inversé. Je vais vous le montrer, ce qui s'est passé aujourd'hui, là. Pouf, c'est en feu, ça, un matin, puis après ça, pouf, balang! On avait ça dans les titres intra-séances, dans le top 5 des intra-séances ce matin.
Et puis, si on peut bien voir que là, exactement, bien, à l'ouverture, il montait, puis il n'a pas arrêté de monter. Donc, habituellement, on prend pas position là parce que c'est trop incertain. Mais le deuxième signal était super clair, 12-40. Et puis, après, il a même redonné un autre qui était beaucoup moins gros. Là, c'était 12-75, 12-91. Mais après ça, techniquement, là, ça a été presque la perfection, ce graphique-là, ce matin. Et First Quantum, lui, c'est que selon un partenaire du producteur de cuivre, First Quantum envisagerait d'investir jusqu'à 1,5 milliard pour construire une centrale électrique au Botswana pour fournir sa mine en Zambie. Et bon, là, c'est le temps d'aller regarder nos ressources. Le pétrole rendu à sa résistance vire de bord. Donc ici, là, fin du rebond. Pour ce qui est du secteur pétrolier, en situation surachetée de l'oscillateur stochastique 522, disant qu'il n'y a plus d'acheteurs là-dedans. Donc ça, c'est un point d'arrêt, un point de stabilité. Si le secteur venait qu'à traverser ce point-là, maintenant, à la hausse, c'est-à-dire en intraséance, ça donnerait, ça, il faut que je vous le montre sur un long graphique, que vous puissiez le voir, de bien, bien le voir. Vous voyez, cette résistance-là est ici. Donc, il faudrait passer les 20-80 pour avoir un nouveau cycle haussier du côté des pétroles. Et le gaz, lui aussi, montre la fin de son cycle. Comme je vous l'ai dit hier, son stochastique était rendu complètement en haut, dans une phase totalement neutre. Donc, il semble qu'on aurait fini ce cycle-là à moitié chemin, parce que la dernière hausse étant annulée. Donc, ça, c'est la hausse d'hier, la baisse d'aujourd'hui. Poum, poum, mouvement neutre en haut d'un cycle haussier. Et puis, le secteur pétrolier, lui, bien, a repris sa tendance baissière et donc fini le rebond sur le secteur minier, pétrolier, pardon. Sur le secteur, allons faire le secteur aurifère en premier. L'or a repris à la baisse dans le même angle que le secteur pétrolier, comme ça. Donc, rebond fini là aussi. OK. Rebond fini sur les pétrolières. Rebond fini sur les aurifères, pardon. Et puis, comme les titres déjà sous-performaient le prix de l'or, parce que l'or montait depuis 3 jours, et les titres descendaient depuis 3 jours, bien, c'est normal que si l'or redescend, les titres descendent encore. Donc, on s'en va inévitablement sur le support. Donc, on évite les achats de ce côté-là. Mais, il peut y avoir des cas d'exception. L'autre jour, je vous parlais de Banro qui avait fait un beau cycle ici, mais que même s'il virait de bord après sa chute ici, ce serait encore une tendance haussière, puis j'oserais même dire plus, parce que vous voyez ici, là, c'est pas ça le creux. Là. Le creux, il est comme là. Faut uniformiser. Là. Et puis ici, la tendance vient de changer d'angle. Sur Banro, qui est très spécial, et Guyana Goldfield aussi, vous voyez, qui n'ont même pas rapport au fait que l'or descend, parce que ces titres-là sont en tendance haussière. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans ces compagnies-là, point. Parce que si on faisait comme le secteur, on ferait comme Barrick, qui est en signal de vente aujourd'hui et qui s'en va à 13$. Oceana Gold baisse comme plein d'autres aujourd'hui, mais sans inverser sa tendance, ça pourrait être juste une faiblesse. Il n'y a toujours pas de signal de vente, ni sur Sumter Gold. Kirtland, il y a du repli, d'accord. Maintenant, cette correction-là nous amène sur la base d'une tendance neutre et non pas sur une tendance baissière. Donc, ici aussi, il pourrait s'agir d'une faiblesse. Donc, attendons encore au cours des prochains jours. Ça pourrait devenir des titres intéressants lorsque l'or va atteindre son creux et que les titres vont se mettre à rebondir. Peut-être qu'eux vont avoir résisté à des décrochages. Orico Gold, signal de vente, volume très faible, mais les possibilités sont là parce que l'or est à la baisse. Donc, il y en a beaucoup là quand même. Il y avait Pretium qui était sur le bord peut-être d'un décollage, mais là, il est plutôt sur le bord d'un décrochage. Et il y a beaucoup de pression à la baisse sur les titres. Alamos continue à la baisse. Osisko continue à la baisse. Eldorado vient de traverser un épouvantable support. Ça regarde bien mal parce que c'est un multiple support traversé, là. C'est traité bien des fois.
Et puis, il y en a un autre ici sur Premier Gold, là, qui, dans l'accélération, ça rend à la baisse, ce sera un signal de vente. B2 Gold va s'arrêter là, j'en suis convaincu, mais va probablement se rendre jusqu'à 1,75$. Gold Corp va sûrement se rendre à son 20$. Et Yamana Gold qui atteint son... Écoute, c'est pas beau à voir sur le secteur... orifère. Et sur le secteur minier, c'est toujours pas décroché en tendance baissière, mais là, c'est vraiment l'os un peu de travail dans la gorge, là. C'est pas traversé pour London. C'est une correction normale pour Nevsun. Sherritt est toujours pas traversé, mais il y a bien des affaires qui sont borderline. Peut-être que ça va se faire sauver encore tantôt. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Comme je vous disais, l'ensemble des titres miniers se retrouvent sur leur support, sur un point important, mais c'est pas décroché. Major Drilling Group s'en va par là aussi. Thompson Creek. Taseco, lui, pas très beau. Il a mis le nez en dessous, là. Il y a encore possibilité que ça décroche pas. Turquoise, c'est normal. Chute pratiquement pas dans sa tendance haussière. Ça, c'est le titre à surveiller lors de la fin de cette petite dépression des mines. Comme vous voyez, des supports partout, là, c'est comme ça que ça se passe. First Quantum et Tech, là, et Sherritt, là, c'est tout sur des bases Sherritt, Tech, First Quantum qui est plus fort que les autres. Donc, pas vraiment décroché. Même que j'en ai deux, là, qui sont, regarde, ils ont été faibles. Labrador Iron Ore, là. Ça mange une claque, ça, là. Écoute, regarde, ça a eu de la misère. Il se retrouve encore une autre fois. Cette fois-ci, il s'était retrouvé en condition de possible inversement de tendance baissière. Ça s'est pas produit ici, là, OK? Bien, ça a replanté encore. Oups, on est revenu, puis là, regardez, on est encore ici dans la même condition. C'est drôle, hein, le secteur minier a de la misère, lui, il est plutôt en reprise, là. Ça fait que c'est à surveiller ici pour un décollage. Puis il y a aussi Tao qui nous montre exactement la même situation. Belle formation triangulaire ascendante. Ici, les creux sont tous plus hauts les uns que les autres. Puis même aujourd'hui, qu'il y a plusieurs mines qui chutent, elle cogne un peu au plafond avec un manche à balai, là. Regarde, c'est bon, ici. La condition est là, là, la table est mise, ça reste à surveiller comme s'il y a quelque chose qui se passerait là-dedans. Bon, dans les autres, consommation discrétionnaire, regardez ça, c'est pas solide ça là. Là. Un peu d'accélération ici, là, puis on est parti vers le support. Donc, regarde, cette résistance-là, c'est chose du passé, une possibilité d'accélération à la baisse de ce côté-là. Les télécoms sont déjà dans un cycle baissier. Les services financiers suivent une tendance baissière, toujours des sommets plus bas. Ça, c'est pas la grosse chute, là, mais il y a rien de haussier là-dedans. Ensuite, les industriels, petit rebond ou pas solide, je vous dis que ça monte pas fort. Le CP a fait une petite hausse de rien, ça a pas été de ben nulle part. Pour l'instant, ça a juste encore l'air d'un petit rebond. Canadian National Railways aussi, c'est pas assez fort pour montrer l'inversement de rien. Oups, Richie Bros qui part en correction.
Puis, regardez, il y a Finning menace de traverser son support. Transcontinental a traversé une zone de support de 2 mois pour entrer en cycle baissier et en tendance baissière. Transforce pas fort, toujours des vendeurs de ce côté-là. Air Canada est sur un nouveau creux, mais il inverserait sa nouvelle tendance haussière en bas de 13,5 piastres. Et puis Russell continue à la baisse. Et puis Lavalin aussi, lui, quand même, va bien. Là, un des rares en tendance haussière là, avec Air Canada. Mais il y a quand même pas mal de pression à la baisse du côté des industriels aussi. Consommation de base, secteur normalement défensif en marché baissier, est à une résistance importante. Il y aura un signal haussier juste ici. On peut regarder les titres qui sont responsables de ça, mais on va regarder avant les technologies qui sont aussi sur le bord d'un décrochage. Dans la consommation de base, Couche-Tard est arrivé à sa résistance. Il a donné quand même des signaux intéressants au cours des derniers jours. Et puis les autres, c'est ça là, qui fait vraiment le point de résistance importante là, pour l'ensemble des autres titres avec Maple Leaf, avec Loblaw, avec Metro. Mais pour l'instant, c'est comme on a des compagnies qui font des mouvements comme Northwestco ici, là, mais c'est un mouvement isolé parce que l'ensemble des titres du secteur, c'est pas ce qui monte. Fait qu'on n'a pas un marché fort, on a plutôt un marché faible. Et pour le moment, il faut éviter, en tout cas, l'achat dans les secteurs de ressources jusqu'à temps que ça se calme. On a des questions en masse, je pense. Hein, où est-ce qu'on est rendu là-dedans? Ça, c'est-tu le début, ça? Danny a acheté K à 2,85 $, c'est Kinross. Oups, ça doit pas être joli, ça, aujourd'hui, ça. K. Ben, il est encore à 3,8 $. Regarde, par rapport aux autres types du secteur, là, Kinross, il faut y donner ce qu'on... Il a pas l'habitude d'être le meilleur du groupe, là. Les titres aurifères plantent, puis Kinross se tient à sa résistance sur le bord d'un décollage. Ça fait que je comprends la situation où vous êtes là, où vous vous posez dans le moment, mais tant qu'il résiste, là, c'est vraiment en bas de 3,05 $ qu'on montrerait son inversement. Donc, dans les 3 $, puis vous êtes à 2,85 $, vendu 50% à 3,5 $ en plus. Ben, regarde, vous direz, moi, arrêtez l'hémorragie à 3 $. Moi, je pense là que comme vous avez déjà vendu à 3,5 $, vous êtes déjà protégé. Attendez au moins que la tendance s'inverse à court terme. Malheureusement, moi, j'ai embarqué dans HOD à 8,56 $. Y es-tu dans cette liste-là, HOD? Non. Bon, attends un peu. Bien, HOD, ça fait exactement la même chose que USO, là. OK? Donc, là... Vous voyez, USO, là, il est sur sa résistance ici, OK? Ça fait que, donc, HOD, lui, il va être sur son support. Je vais y aller immédiatement. Donc, vous voyez, il est ici. Et vous êtes rentré à 8,56 $. Mais vous savez que sa situation survendue, le fait que USO veut redescendre, le fait que le secteur n'est pas très fort, moi, je pense que vous avez de très bonnes chances de pouvoir remonter à 8,56 $, voire même 9 $. Parce que ça devrait remonter jusqu'ici, je pense. BNK pour identifier Banker. Pourquoi BKX? Pourquoi BNK, BKX pour identifier Banker? Je ne comprends pas votre question. Là. C'est parce qu'il y en a deux qui se ressemblent, hein, je pense. BNK. Je ne suis pas dans la bonne liste. Je reviens après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. La question de Clément, qui a des drôles de caractères. Pourquoi BNK, B et KX pour identifier Banker? C'est deux compagnies différentes. C'est la même, mais c'est deux. Parce qu'à un moment donné, ils ont scindé la compagnie en deux. Là. Ils ont mis des actifs dans une puis dans l'autre. Là. Je ne sais pas pourquoi vraiment ils font ça, mais ils ont séparé les deux compagnies comme s'il y avait... C'est la même, mais il y en a une qui possède des affaires, l'autre possède d'autres affaires. C'était peut-être dans le but d'en vendre une partie. Je sais aucune idée. Mais ceci dit, Bankers fait comme le secteur, lui, il suit parfaitement le secteur énergie. Excepté que BNK, lui, non. BNK est beaucoup plus solide, semble beaucoup meilleur, puis même que dans sa situation actuelle, montre que son stochastique était survendu. Ici, là, il revient plus. Il est en condition suracheté, mais ce serait quand même un signal d'achat ici, là, à 86, si le stock décollait. CST sur croissance. C'est CO2 Solutions. Que ça fait longtemps qu'ils sont là, eux. Là. Ça valait cher avant, là, il y a bien des années, plus cher que ça. Puis là, ben, ils sont vraiment partis sur un autre lancé. Là. Vous voyez juste les volumes qu'il y a sur ça par rapport à son histoire. Là. C'est assez phénoménal. Des journées, ça fait des millions de volumes. Puis regardez, là, ça, c'est la même consolidation, là, puis pas consolidation des actions, là, mais une phase de consolidation technique, là. Garde, quand il se passe quelque chose dans une compagnie, après, il faut qu'elle digère. Puis ça, c'est la période de digestion. Donc, ici, au prochain décollage, dans le 28-29, là, c'est encore un signal d'achat là-dedans. Puis il n'y aurait pas de signal technique de vente avant 22 cents. PBMD. PBMD. Prima Biomed, le titre pendant le cours de Swing Trading, l'autre jour qu'on avait, qui est monté de, c'est la même journée, je pense, je me souviens plus combien, de centaines de pourcents, là, 2 piastres à 6 piastres, là, c'était comme 267%, là, je me souviens bien. Là. Le titre est vraiment à surveiller, très intéressant toujours. Combien de temps ça va prendre? Ah, ça, seul son coiffeur le sait. C'est vraiment entre ici et là, c'est à surveiller parce que c'est vraiment comme c'est une mini-bombe nucléaire, là, cette affaire-là. Écoute, à garder toujours dans le collimateur pour au cas où le jour qui décollera par là, on aurait des chances de voir encore un cas spécial. Là, mais entre les deux ici, c'est une phase totalement neutre. Il n'y a pas de réponse comme telle. C'est dans une pièce, c'est 70 qui est son prochain signal de vente et dans les deux et 60 qui est son prochain signal d'achat. Puis LPTH. Un autre intéressant, un peu plus incohérent, il a fait une couple de gros volumes ici, on le voit là, ces deux volumes-là, sur ces deux cotes-là. On va aller voir ça dans un graphique intra-séance. Bon, vous voyez, c'est une flambée d'ouverture ici qui a duré une demi-heure. Une autre ici qui avait duré ça, 15 minutes, pas une demi-heure, mais 15 minutes. Puis là, le titre...
creux plus haut, creux plus haut, creux plus haut. C'est une tendance haussière. Il n'y a rien à redire sur ça. C'est une tendance haussière, mais ici, c'est un point qu'il faut commencer à diminuer, vendre à mesure que ça descend. Et puis, un point d'achat serait là. Il n'a donné un. Il n'a pas donné le signal inverse. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui sont pris dans ça parce qu'il y avait eu un signal technique là. Oui, il y en a eu un, mais il y en. Puis là, je vais le remettre en 5 minutes pour le voir mieux. Qu'est-ce que c'était? Ça s'est passé ici au cours de la journée, mais le signal inverse n'est pas arrivé. Ça arrive encore, c'est encore un signal d'achat. Ça arrive par, ça se passe par là, c'est un signal de vente. Donc, 1,75 à l'achat, 1,60 à la vente, mettons, à peu près. Doit-on éviter les points UN en day trading? Et si oui, pourquoi? Question que j'ai jamais eu à répondre. Pourquoi on éviterait un point UN en day trading? Ça bouge. Tu peux l'acheter, tu peux le vendre. Il n'y a pas d'incidence autre que ça là-dedans. Oui, on peut. Pourquoi on pourrait? Pardon? Ouais, mais veux dire, si c'est un add-on, que tu pognes le dividende le jour où tu es en train de trader avec, peut-être, là, je le sais pas, mais je pense pas qu'on doit se baser là-dessus. J'ai ILD, comment est-ce qu'il reste de temps? Une minute. Lui, il y avait un beau signal d'achat hier, Gilhead Science, buy the book. Il avait pas le volume le plus fort de son histoire, là. Mais quand même, il y avait un bon volume hier. C'était un signal d'achat hier. Puis le point de non-retour, c'est 112,50, là, si jamais il retombait là. Puis AMAG Pharmaceutical, là, c'est super solide. Ça fléchit pas. Il n'y a rien à redire là-dessus. Prochain signal d'achat, 72$. Puis à très, très, très court terme, il y aurait un petit signal de vente à 66, mais vraiment plus à 63, là, que cette tendance-là à court terme serait inversée. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, vendredi.